Longtemps que les humains ne s'en souviennent plus. Bonjour à vous. Alors, bienvenue à la Maison Félix Leclerc pour une nouvelle émission de Mosaïque, votre émission culturelle, assise sur la télévision. Alors, aujourd'hui, on accueille un compositeur et un professeur émérite de musique à l'Université de Montréal, un résident de Vaudreuil-Dorion depuis plusieurs années, puis un voisin, puis aussi quelqu'un, vous venez d'entendre une magnifique musique. C'est Rêve boréal? Les rêves nordiques. Les rêves nordiques, oui, excuse-moi. Oui, ouais, ben les aurores. Il y a des aurores boréales oui, là-dedans c'est ça, aussi. C'est bon. Okay. Mais là, c'était en fait des enfants qui chantaient des chants de pêcheurs inuits oui. dans la langue des Inuits, hein? Kaya, kaya, comme les kayaks. Oui. Et puis chaque enfant, un après l'autre, se transforme en goéland. Ça crée une masse sonore, hein? Ça part du chant de pêcheur. Oui. Puis ils se transforment en goéland, les pêcheurs, pour aller ramener des poissons aux femmes puis aux enfants. François Hugues? C'est François-Hugues Leclerc, donc notre invité, que j'ai pas eu l'occasion de vous présenter parce que je me suis mêlé les pinceaux un petit peu, là. Mais, alors, François-Hugues, on va parler de comme à mon habitude, là j'ai des tics, là, c'est okay. rendu comme ça. on va parler de ton histoire un petit D'accord. peu, d'où tu viens, ton trajet de vie, qu'est-ce qui t'a amené à la musique. Mm-hmm. Puis, ben écoute, oui. Je suis né à Montréal. En 62, donc au début de la Révolution tranquille. Okay. Là, tous les deux Montréalais, donc. Oui. Tiffane est née près de Paris, hein, mon épouse. Okay, hein, donc, je sais que Tiffane va être ta prochaine invitée. Oui. Alors, il va y avoir un lien entre les deux émissions. Mais pour oui. ma part, je suis né à Montréal, mais oui. j'ai été à Paris très vite, en okay. 63, 64. Okay. Donc, déjà, là, le côté France-Québec, il est présent dès que je suis bébé. Mes premiers souvenirs, c'est les petits jardins à Paris où on glisse. Et puis les toboggans, puis tout ça, puis l'odeur du buis, la lumière sur les façades. Quand j'arrive là-bas, j'ai l'impression d'arriver chez moi. Okay. Mais pourtant, je viens de la Boréalie, hein, les sapins, le nord, ça, c'est mon grand-père. Donc, j'ai vraiment les deux. François, en France, il m'appelle François souvent. Okay. Puis au Québec, plutôt on m'appelle plus Hugues. Oh, parce que okay. mon père s'appelait François. Donc, okay. pour distinguer, on m'appelle plus Hugues. Mais les Français, ils vont vite, oh, allez, François, quoi. On y va. Okay. Alors, il y a les deux côtés qui sont là. On revient après à Montréal, c'est l'expo. Là, je découvre tout ça, les hippies dans les pavillons, puis la musique de Xenakis dans le pavillon de la France. Hein, il y avait Mais fait... en 67, ouais. t'étais tout petit, j'avais 5 ans. Je m'en souviens. Okay, j'étais wow. rentré dans le pavillon de la France, puis j'avais entendu cette musique complètement incroyable de Xenakis, oui. qui était architecte aussi avec Le Corbusier. Et ça m'a tellement impressionné que 20 ans plus tard, un peu moins, 18 ans plus tard, quand j'étudiais l'astrophysique, un de mes amis me fait écouter ça. Puis tout de suite, ça m'a rappelé ce moment-là. Alors, ça montre comment la musique peut aller vraiment nous chercher loin dans notre enfance. Mais c'est intéressant. Tu ouais. dis, j'étudiais l'astrophysique puis, ou la physique. Oui. Mais... parce qu'astrophysique, on pense astre, puis physique, on pense plus les phénomènes mécaniques. Oui, non, mais l'astrophysique, c'est l'étude de l'univers, les oui. planètes, les systèmes okay, solaires. Okay. Tout ça, ça m'a toujours fasciné. Okay. Mais sur un plan poétique. Je suis pas devenu physicien, c'était trop scientifique pour moi. Okay. La musique m'habitait déjà depuis ma plus tendre enfance, en fait. Mon père jouait de la clarinette quand il était jeune, ma mère chantait beaucoup.
J'entendais à la fois les grands chanteurs français puis québécois des années 60, tout ça. Donc, ton milieu familial t'a vraiment porté déjà vers la musique. Pas mal. Mais mes parents n'étaient pas musiciens professionnels, mais la musique était vraiment là. T'sais, on entendait du Bach, du Beethoven, plein des musiques qui m'ont marqué, qui me marquent encore depuis le concerto d'Aranjuez. C'est une pièce merveilleuse. C'est magnifique. Les quatre saisons de Vivaldi, ben oui, bien ça, c'est sûr, des classiques. Les grands classiques, les tableaux d'exposition de Ravel. Donc, j'entendais ça quand j'étais petit. Ouais. Mais j'ai commencé seulement vers l'âge de 12 ans, quand on est revenu de France, parce qu'on était retourné en France, à Bordeaux. Okay. Et quand j'avais 9-11 ans. Puis quand on est revenu, là, j'ai commencé à apprendre la guitare classique. Là, je composais mes premières pièces de guitare classique, je m'en souviens. Je jouais ça dans les concours, puis c'est avec ça que je remportais les prix de guitare. Donc, j'étais compositeur tout de suite. Okay. C'était un prof anglophone que j'avais, il dit « Some people have it, some people don't ». Mais ce qu'il me disait, c'est « Toi, tu l'as, là. T'es un compositeur. C'est ça que tu as besoin de faire. Spontanément, quoi. Oh. » Puis là, ben là, ça a été des années plus difficiles. Là, on parle de 12 ans déjà. Okay. 12-13 ans, c'est ça. OK, wow. Dans l'enfance, j'ai plutôt absorbé de la musique. J'entendais chanter, j'entendais de la musique qui jouait chez nous. Puis après ça, vers 12-13 ans, là, j'ai commencé à m'y mettre. Là, la guitare classique, le solfège, la composition. Puis pourtant, t'as enseigné la physique? Ben, c'est parce que j'ai étudié ça au bac. À un moment donné, j'ai fait un bac en physique. Et puis, c'était une période dans ma vie où j'ai été vraiment attiré par ça. OK. Et puis, par la suite, je suis vraiment replongé dans la musique. Je suis venu étudier à l'UdeM avec Serge Garand, qui est un de nos grands maîtres de musique contemporaine. Un monument dans la musique contemporaine. Oui, oui. Dans le temps où Radio-Canada faisait jouer de la musique contemporaine de façon vraiment substantielle, lui, il animait une émission, il était prof à l'UdeM. C'est là que je l'ai connu. J'ai été son dernier étudiant, parce qu'il est décédé pendant l'année où j'étais avec lui. Oh, wow. Bon, et après, j'ai passé avec Michel Longtemps, puis ça a été fantastique, parce que M. Garand, c'était quelqu'un de très, très intellectuel. J'aimais beaucoup ça, mais lui, c'était toujours théorique. Tandis que Michel Longtemps, il a regardé mes partitions, là, je me rappelle le premier jour, là, j'ai amené ça, puis là, il regardait ça, tu sais, puis il disait pas un mot, là, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va me dire, tu sais. Au bout de 10 minutes, il ferme ça, il me regarde, il dit, il y a beaucoup d'amour dans ta musique. Puis là, j'ai réalisé, OK, là, on est dans une autre dimension artistique parce que lui, il est sensible à ça. Là. Ouais. Et puis là, on a développé une très belle relation. Mais je suis parti après un an. Parce que j'avais mon bac en physique déjà 3 ans en arrière, là, que j'étais à l'université, plus 2 ans en musique. Là, j'avais besoin de me changer d'air. Okay, je suis parti aux îles de la Madeleine. C'est là que je suis parti aux îles. On s'en parlait. OK, t'as cessé, t'avais pas terminé tes études. Non. T'as dit, OK, ça me prend de l'air, faut que je fasse. Oui. Aux îles de la Madeleine. Pourquoi t'es allé aux îles de la Madeleine? J'avais toujours rêvé de vivre sur une île depuis que j'étais petit. Alors, probablement que pour moi, l'île, comme chez beaucoup de gens, c'est l'endroit un peu où là, on peut se refaire comme une vie nouvelle. Hein? C'est comme un petit monde mythique, en soi. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Puis, ben moi, j'étais un gars du Nord. Hein? Je disais que je suis à moitié français, puis bon, je le suis par mariage, grâce à Tiffany. Mais c'est vraiment le Québec, quoi, mon pays, la Boréalie, la terre, les Laurentides, la roche, les sapins, tout ça. Fait que pour moi, d'aller aux îles de la Madeleine, c'était comme de pousser ça à l'extrême. Mais là, t'as pas tellement d'arbres aux îles de la Madeleine. Non, c'est la banquise. C'est la banquise. C'est l'eau et le ciel. Ouais, c'est ça. Comme 50 % de ciel. Tu sais, c'est un globe qui est au-dessus de toi avec les étoiles. C'est magnifique, quoi, le ciel. Et puis, ben, 49,999 % d'eau. Puis une petite affaire de sable au milieu de tout ça, une dune de sable, puis t'as de l'eau des deux bords, puis le ciel. Mais les nuits au lieu de la Madeleine, ça doit être absolument magnifique. C'est il n'y a pas extra. De pollution. Aucune là, pollution là-bas. Lumineuse, ou presque. Ouais. Donc on voit la voûte céleste en permanence, quoi. Donc c'est vraiment inspirant. Ouais. C'est là où ça rejoint ma passion pour l'astrophysique aussi, mais vraiment, je dirais que c'est à cet âge-là, là, vers 23 ans, là, en 85, là j'ai vraiment décidé, OK, je fais de la musique ma vie. Parce que les sciences, ben, c'était très cérébral, évidemment. J'aime beaucoup ça aussi, hein? Le côté intellectuel. Mais... Bien, faire de la musique. Vous avez écrit de la musique, c'est aussi assez intellectuel. Là. Clairement, ça, quand on a des pages d'orchestre là, comme ça, puis je sais qu'on va en montrer quelques-unes pendant qu'on se jase. Là. Oui, oui. Bien, quand tu as 25-30 instruments qu'il faut que tu écrives les uns au-dessus des autres, là, puis qu'il faut que ça marche bien ensemble, c'est comme un plan d'architecte, en fait. Ouais. Quand je disais que Xenakis, tantôt, il avait fait l'architecture du pavillon de la France en 67, ouais. À Terre des Hommes, puis il avait fait la musique du pavillon avec les mêmes principes.
que les principes architecturaux. Oula, donc, la musique, les mathématiques, moi, tout ça, ça rappelle ça des lumières, tu sais, dans l'espèce de... Oui. Non, je mets là... Dans... Tu okay. mets peut-être avec un autre pavillon? Le pavillon britannique à côté. OK, non, OK, mais il y avait un truc lumineux dans le pavillon français. Je m'en rappelle plus. C'est la musique qui m'a le plus marqué, parce que je l'ai réentendu plus tard. Mais c'était correct, parce que moi, j'étais un peu plus vieux que toi, j'ai 10 ans plus que toi. En tout cas, oui, mais c'est parce que moi, j'avais 15-16 ans, c'est à ce moment-là. Ouais. Puis je me rappelle des lumières puis de cette musique-là. Okay. Bien, c'est ça. Une partition, c'est comme un plan d'architecte, en fait. Ouais. On dit, OK, comment ça va se construire, OK? Ouais. Mais nous, ça se déroule dans le temps. Hein? L'architecture, c'est figé dans le temps. Bon, ça s'érode au cours des siècles, là. Mais c'est stable, OK? La musique, c'est une architecture de l'air, en fait. Parce que l'air va vibrer, puis là, on le sculpte. Mais c'est éphémère, hein? Oui. Donc, la partition, c'est ça qui reste, c'est le plan. Puis ça, on peut le donner à un contremaître, OK? C'est le chef d'orchestre qui va faire monter ça avec ses ouvriers à lui ou à elle. C'est les instrumentistes ou les chanteurs. Oui. Oui. C'est vraiment le même processus, au bout du compte. Mais c'est mystérieux pour la plupart des gens. C'est pour ça que c'est le fun d'en parler à des gens qui vont écouter ça aujourd'hui, parce que c'est toujours un peu mystérieux. Ah comment ouais, parce qu'on a l'impression, tu sais, que c'est comme une espèce de grand rêve. Tu sais, c'est ça, l'image de Beethoven, tu sais, qui écrit exactement, en écoutant la voix de Dieu. Aujourd'hui, on a une vision un peu différente. Il y a Chelsea, que j'aime beaucoup. Chelsea, c'est un compositeur italien du 20e. Okay. Giacinto Chelsea. Okay. Et lui, il disait... qui n'était pas un compositore, mais un sintonizzatore, un syntonisateur qui pognait le poste à un moment donné. Ça, c'est... Dans le temps de Beethoven, c'était la voix de Dieu, puis on voit les anges. Okay. Puis à notre époque, j'aime beaucoup cette vision de... On pogne le poste à un moment donné, puis là, ça vient. Puis là, on écrit. C'est la voix des étoiles. D'une certaine façon, on est comme connecté. C'est comme si la musique, des fois, que j'écrivais, c'est comme si elle existait déjà en quelque part. Et puis que moi, mon rôle, c'était de la noter. Ça peut sembler un peu ésotérique, mais c'est vraiment l'impression, le sentiment que j'ai par moi. Mais je pense que tout artiste inspiré a un petit peu cette impression-là, que ça vient pas de lui, qui est connecté sur une dimension plus vaste. Il y a comme une connexion, effectivement. Puis quand on parle de syntoniser, c'est comme capter le poste, ce poste-là. Exactement. Ça demande de se mettre dans des conditions favorables. Comme moi, je médite chaque matin. Hein, okay. Je prends une demi-heure ou une heure, dépendamment du reste de la journée, le temps que j'ai devant moi. Puis là, vraiment rester en silence. Respirer, brancher sur la respiration. Puis là, laisser passer les pensées. OK, la faculté. OK, nos ados ont fait tel coup. Puis bon. Okay. Okay, puis... La présence. Ouais, revenir dans la présence. Puis après ça, je vais marcher avec notre toutou. Tu nous vois pas assez souvent. Oui, absolument. C'est un labrador husky, fait que ça a besoin de marcher en masse. Puis là, je vais près de la baie. Hein. Je me laisse imprégner des images de la nature. Je respire du bon l'été, air. L'été, tu prends ton kayak. L'été, je prends mon kayak, exactement. Oui, l'hiver, oui. Je pars en ski de fond. Pas sur le lac, parce que là, je suis un peu plus craintif, mais dans la forêt, là, vers le golfe puis tout ça. Et puis, après ça, là, je vais m'asseoir. Rendu vers 9 heures, là, je sens que je suis vraiment mûr. Le fruit est mûr, puis là, j'écris jusqu'à midi et demi, quelque chose de même. Mais à un moment donné, j'ai faim. Puis 3 heures sérieuses de création. Ben, t'sais, je pense pas qu'un être humain est capable d'une concentration tellement plus importante que ça dans une journée. Ah, au bout de 3 heures, après ça, je vais manger, je retourne marcher, puis je m'y remets un peu en après-midi, mais mes idées, ça vient vraiment le matin. Je suis un lève-tôt, hein, puis c'est là que ça se passe. Alors qu'il y en a qui aiment beaucoup composer la nuit, quand là, tout est silencieux. Puis... Mais moi, la nuit, il faut que je dorme. OK. Même les auteurs, souvent, ils ont... La plupart des auteurs, ils écrivent le matin. Ah, OK. Dans ce que tu connais, oui, dans ce que tu as lu, là. OK. Tu sais, ça, puis le matin, dans la... J'ai l'impression que c'est comme... Tu sais, après la nuit, les choses se sont toutes restructurées dans notre intellect. Puis tout ce qu'on a fait la veille, c'est s'il y avait un peu de confusion, bien là, les choses se sont replacées. Puis on est tout de neuf, habité. Je te comprends tellement. J'ai même mis un poème d'Anne Hébert en musique. Qui parle exactement de ça. Ouais. Et je l'ai dédié à notre fille Noémie lors de sa naissance en 2003. Ouais. Ça s'appelle « Éveil au seuil d'une fontaine ». Donc, ça parle de l'éveil, hein, c'est le moment où on sort du sommeil. Et ça commence ainsi « Ô spacieux loisir, fontaine intacte devant moi déroulée, à l'aube ou quittant du sommeil la pénétrante nuit, je retrouve mes gestes, bon, etc. » OK, je ne raconterai pas au complet. J'aime beaucoup Anne Hébert, je l'ai beaucoup lu. J'ai mis plusieurs de ses poèmes en musique, dont un poème qui s'appelle « Amour »,
que j'ai composé juste avant de connaître Tiphaine. Donc, un moment crucial. C'était comme le fruit était mûr. C'est un très beau poème sur l'amour, pas du tout fleur bleue. Là. Michel Longtemps regardait ça et disait « Wow, c'est intense là, comme vision de l'amour. » Toutes ces musiques-là, d'ailleurs, pour ceux qui voudraient les écouter, parce que hein, c'est évidemment pas distribué au même titre que Céline Dion, hein, on s'entend. Alors, sur mon site à huguesleclerc.com, vous allez pas trouver... François Hugues. J'ai mis juste Hugues. Ça, c'est Hugues. C'est vraiment mon intimité la plus Hugues profonde. Point Leclerc? Oui. Hugues c'est Leclerc. C'est elle ailleurs. Je pense qu'il n'y a même pas de point. huguesleclerc.com. OK. Et puis là, il y a beaucoup d'enregistrements. OK. Il y a des captations de concerts, il y a des enregistrements que j'ai mis dans une des pages du site. Il y a vraiment moyen d'écouter beaucoup de choses. Puis on trouve aussi des choses sur Spotify, puis YouTube, puis Vimeo, puis tout ça. Donc, il faut aller chercher sur le web, taper mon nom, puis vous allez voir plein d'affaires sortir. Ben, parce que là, on n'a pas de concert ces temps-ci. Oui, j'invite les gens vraiment à y aller parce que c'est pas une musique abstraite là, que fait François Hugues. C'est vraiment... En tout cas, je suis certain que vous allez être séduit. Ce qui compte pour moi, c'est qu'il y a de l'émotion. En fait, c'est pour ça que j'ai fini par vraiment me décider, OK, je fais de la musique dans la vie. Parce que je parlais des sciences, bon, c'est beaucoup de l'intellect. Il y a une passion aussi dans la recherche scientifique. Hein? On voit un Einstein ou un Hubert Reeves, des gens passionnés, quoi. Oui, absolument. Mais à un moment donné, ça ne va pas aussi loin dans l'émotion que peut aller la musique. Et puis aussi, la musique nous habite corporellement. Quand on chante, là, la musique nous habite physiquement. Hein? Ah, on va parler de ça, parce que c'est ça, parce que tu chantes, parce que tu étais dans un chœur qui était dirigé par ta compagne, puis vous avez une belle histoire ensemble. Ouais, c'est aussi ça qu'on parle de ça. Ben, c'est sûr que la rencontre avec Tiphaine, ça a été vraiment raconte-en un petit peu, là, on va avoir la version Tiphaine semaine prochaine, les amis. Oui, c'est ça, Tiphaine va venir la semaine prochaine. Donc, quand je suis allé aux Îles, donc après avoir commencé mes études de musique à l'Université de Montréal, après 3 ans aux Îles-de-la-Madeleine, bon, c'était correct. Là. J'avais fait le tour de l'archipel, puis bon, il n'y avait pas beaucoup d'orchestres symphoniques puis de tout ça pour faire jouer. Non, mais t'as organisé un chœur. Oui, j'avais formé un chœur et on avait même monté de mes compositions, puis aussi du Monteverdi, puis du Bach, tout ça. Wow, wow, wow. Et je dirigeais l'harmonie aussi, à la Polyvalente. Je faisais une émission sur la musique à la radio communautaire. Non, et puis j'enseignais quelques heures de physique au Cégep des Îles pour payer le loyer. Alors, c'était parfait, ça me laissait beaucoup de temps pour composer. Puis après ça, je suis parti en France avec une amie peintre, à une copine peintre avec qui j'étais à l'époque. Pour étudier la musique là-bas aussi? Au conservatoire. Et puis là, au conservatoire de Strasbourg, j'ai étudié 50 ans, ça a été fantastique. J'ai eu un maître en contrepoint, M. Meuger, en analyse, M. Schmitt, en direction de chœur. J'ai rencontré des compositeurs italiens, français, tout ça, avec qui j'ai travaillé. Bon, mais c'est là qu'en 94, il y a un stage de direction de chœur. Puis là, je me dis, oh, je suis un peu tanné là, de la direction de chœur. Moi, je suis un compositeur. Là. À un moment donné, il faut que je me concentre sur mon affaire, tu sais. Ouais. Mais là, tout le monde me disait, ouais, vas-y, c'est génial. C'est la femme de René Schmitt qui va... Hein, René Schmitt, c'était mon maître d'analyse, mon absolu. Nicole Corti, hein, c'est ça. Nicole Corti, c'était la compagne de René Schmitt. Puis là, tous mes amis me disent « Ah, vas-y, elle est géniale et tout. » Fait que j'y vais. Je demande même à mon père de me donner un petit coup de pouce pour payer les frais du stage parce que j'avais plus un rond. J'y vais. Je voulais pas vraiment y aller, mais tout le monde me poussait à y aller. Je dis « Bon, on va y aller. » Puis c'est là que j'ai connu Tiphaine. Okay. Ça a été vraiment le moment, le chakra du cœur qui s'ouvre, là. Pour la première fois dans ma vie, ça va dans deux sens. C'est fou parce que c'est instantané, votre affaire. Instantané. Ça va dans deux sens, mais là, bon, elle est plus jeune, elle habite encore chez ses parents. Mais bon, elle est majeure, donc elle décide de sa vie, c'est formidable. Puis là, on décide, moi, je vais la rejoindre à Paris toutes les fins de semaine. Je prends le train jeudi soir à 4 heures. Faut dire qu'à ce moment-là, c'est très long, le train. 5 heures de train, il n'y a pas de TGV, là, fait qu'on passe par les Vosges, puis en tout cas, ça prend 5 heures, puis là, on se retrouve tout de suite à Paris. J'ai une petite chambrette dans le 9e arrondissement, d'une chambre de bonne, tu sais, tu passes par l'escalier de service en arrière, puis d'un côté de la... C'est grand comme le coin du piano, là, c'est 8 mètres carrés, tu déplies le futon, puis tu as les pieds en dessous du lavabo. Puis il y a les toilettes à l'étage, mais il n'y a pas de douche. Fait que tu vas prendre ta douche à la piscine municipale du 9e arrondissement. Donc, c'est folklore, mais c'est pour la fin de semaine. Mais c'est tellement romantique. Super romantique. Tu ouvres la fenêtre, puis d'un côté, tu vois la Tour Eiffel, puis de l'autre côté, tu vois Montmartre.
par la fenêtre. Okay. Fait que c'est super romantique, ça, c'est sûr. Mais là, on apprend à se connaître, tout ça, puis là, on a nos premiers enfants assez rapidement. Puis là, Tiffany continue d'étudier la musique. Moi aussi, j'étudie à Paris à ce moment-là. Vous avez eu le premier enfant, mais... 96, deux ans après. OK, mais là, vous vivez ensemble. Et puis là, on se prend un appartement ensemble. Okay. Évidemment, quand elle tombe enceinte, ça devient une évidence. Elle part de chez ses parents, puis on se prend un appart à Paris. Okay. Puis après ça, il y a Timothée qui arrive. Okay. Et puis après ça, on se dit, on a deux. OK, Océane, Timothée, les deux à Paris. Oui. Puis là, on est rendu en 98, puis là, on se dit... Mais tu continues à étudier à Strasbourg pendant non, tout ce temps-là? Non, là, je suis à Paris. Là, je suis venu vivre à Paris, on s'est pris un appart à Paris, puis là, j'étudie l'orchestration. Qu'est-ce que tu fais à Paris? J'étudie l'orchestration, puis je dirige des chœurs d'enfants. OK, OK. Et puis là, finalement... Elle étudie encore à la Sorbonne, parce qu'elle est plus jeune, donc elle est encore aux études, donc elle est à Sorbonne en musicologie. Ouais. Là, à un moment donné, on se dit, OK, à Paris, avec les deux bébés, puis tout ça... C'est too much. Là. On a le goût de quelque chose de plus relax, puis on se dit, on va vivre au Québec. Là, on s'en va à Québec. Est-ce qu'elle connaissait le Québec? Elle était déjà venue. Avant de me rencontrer, elle était allée en voyage avec ses parents en 90. Okay. Puis après ça, on se rencontre en 94. On a nos deux bébés à Paris, on se marie à Paris. Puis là, on fait une fête de mariage à Paris. Bien, chez les parents de Tiffany, dans la vallée de Chevreuse, la route de Versailles. Okay. Et puis sur l'invitation d'un bar, c'est l'invitation pour la fête chez ses parents, route de Versailles. Ouais. Puis trois semaines après, il y a une invitation, c'est chez ma mère, à Beauport. Parce que là, entre-temps, on a un billet aller simple Paris-Montréal avec les deux bébés. On paye deux billets parce qu'on a chacun un bébé de moins de deux ans dans nos bras, dans l'avion. Okay. Puis là, on arrive, puis là, ma mère nous accueille, puis on se trouve un appartement à Québec. Tiffany étudie à l'Université Laval. Moi, je commence mon doctorat à Montréal. Bon, au bout de trois ans à Québec, quand Tiffany a fini son bac, moi, j'étais au doctorat, puis là, je voyais que j'avais vraiment des opportunités à l'UdeM. Puis Tiffany, à ce moment-là, on décide, OK, on va à Montréal. Elle a étudié à l'Université de Sherbrooke, qui avait une antenne, qui en a toujours une à Longueuil, d'ailleurs. Oui. Donc, on a fonctionné plus à Montréal. Puis là, évidemment, les possibilités de rayonnement sont plus grandes. Évidemment, la ville est plus grande. Il y a plus d'organismes pour la musique contemporaine, tout ça. Oui, qui sont plutôt centralisés. Oui, c'est sûr. Il se passe aussi des choses intéressantes à Québec, évidemment. Oui. Mais là, on a eu plus le goût de Montréal. Toute ma famille est ici aussi, mes cousins, mes tantes, mes oncles. Okay. Et puis tout ça. Puis finalement, on est à Montréal depuis 2000 ans. OK. Ouais. Puis tu enseignes, c'est ça. Alors, tu dis il y avait des ouvertures à l'Université de Montréal déjà? Oui, Quand j'ai fini mon doc, ça se déployait bien. Là, je commençais à être joué à l'Orchestre symphonique de Laval. Ton doctorat, tu l'as eu à l'Université de Montréal? Oui, en 2002. Donc, à 40 ans, j'accroche mes patins d'étudiant, j'ai mon doc, puis là, il me nomme professeur. Ça prend du temps, hein? C'est long, mais surtout quand on a étudié en plus les sciences, j'ai étudié un peu la psychologie aussi, beaucoup de choses m'intéressaient. Mais à 40 ans, là, je me dis, OK, c'est bon. Là, j'ai mon doc, là, maintenant, je commence à vraiment être professeur à l'université, et j'adore ça. Oui, parce que, mais t'enseignes quoi à l'université? Alors, la composition, évidemment. Donc, ça s'enseigne plutôt en cours particulier, tu sais. À la maîtrise, au doctorat, on est seul avec l'étudiant, puis là, il nous montre l'évolution de son travail. Au bac, là, on les prend par groupe. Au début, un petit groupe de 10. Pour ça, la deuxième année, ils sont en groupe de 2. Puis finalement, on les prend tout seul, parce qu'on focus. Ouais. Et puis ça, j'aime beaucoup. Mais j'aime beaucoup enseigner les disciplines de l'écriture musicale. Alors, c'est un peu différent. L'écriture musicale, c'est par exemple le contrepoint. Le contrepoint, c'est un art qui a 1000 ans, imaginez-vous. Ça a commencé à Notre-Dame de Paris, dont vous allez parler la semaine prochaine avec Tiffany. Oui. Et c'était deux Léonin et Pérotin, à l'an 1000, un petit peu plus, 1000, la fin du 11e siècle. Ils commencent à s'imaginer, OK, on pourrait peut-être chanter deux mélodies différentes en même temps. Ça serait intéressant. Donc là, ils commencent à explorer comment faire des canons. C'est-à-dire qu'on commence... Ils sont à Notre-Dame, là? À Notre-Dame de Paris, ça commence. À Notre-Dame? Oui, c'est là que ça commence. Tout le monde connaît le canon Frère Jacques, frère... Puis là, il y en a un qui commence, puis l'autre commence après. Oui. Fait comme ça, on apprend à chanter des choses différentes. Mais en fait, c'est la même chose qu'on chante, mais décalé. Oui. C'est la première façon de chanter deux affaires différentes, parce que ça n'arrive pas en même temps. Oui. Et puis, donc, ils commencent à explorer ça. Puis peu à peu, le contrepoint naît, c'est-à-dire, OK, on va combiner deux lignes différentes. OK, on va en combiner trois. Puis 4, puis 5, puis on va faire deux chœurs, OK? Donc 8 voix, soprano, alto, ténor, basse, 1, puis soprano, alto, ténor, basse, 2, et etc., etc. Puis là, on envisage toutes les combinaisons de superposition, puis tout ça. C'est aujourd'hui, on c'est en magique, fait encore. Hein? On en fait encore aujourd'hui. Puis moi, j'ai appris ça à Strasbourg avec mon maître Meuger,
qui lui était l'élève d'un autre maître français qui s'appelait Galon. Puis on travaille encore avec ce traité-là avec mes étudiants. C'est fantastique. C'est okay, vraiment ça wow. t'ancre dans l'histoire. Là, parce que là, tu fais quelque chose. Faire pratiquer quelque chose qui existe depuis 1000 ans. Je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de métiers qui ont fait ça. C'était fait avec des voix, mais on peut le faire avec des instruments. Tout à fait. Tout à fait. Exactement, puis toutes sortes d'instruments. À l'origine, c'était les voix. C'est de l'orchestration. Pas tout à fait, parce que l'orchestration, ça va être quand on va éclairer un discours musical, comme par exemple une pièce de piano, ouais. et là, on va l'orchestrer. Ça veut dire qu'on va l'éclairer avec d'autres lumières, OK? La lumière de la flûte, la lumière du hautbois, des violons, des violoncelles, des percussions, des trompettes, des trombones, etc. On voit que t'es un gars passionné. Tu sais, on est rendu déjà à la fin de notre rencontre. Puis j'aimerais ça que tu me parles de tes projets. Sur quoi tu travailles actuellement? Déjà, on est à la fin de notre rencontre. Alors actuellement... C'est fou, hein? J'ai voulu commencer par ce conte musical de la naissance de Goéland au tout début de l'émission. Oui. Parce que ce sur quoi je travaille actuellement, c'est un grand conte musical d'une heure 40 minutes. OK. Qui s'appelle L'amour de la terre. C'est un conte écologique dans lequel il y a deux jeunes qui vont aller réveiller une divinité souterraine, la Dame de la pluie, qui est endormie parce que les humains ne s'occupent plus d'elle. Ils ont trop de courriels à faire, trop d'argent à faire, de forêts à détruire, puis de puits de pétrole à creuser. Donc, ils vont plus voir la Dame de la pluie pour la remercier de la pluie, puis lui apporter des offrandes, puis qu'elle leur donne des graines. Fait que les deux jeunes, là, ils veulent se marier, puis c'est la catastrophe, c'est la sécheresse, c'est la canicule. Puis le père de la fille, il lui dit, ben, gars, si vous pensez aller réveiller votre madame de la pluie, vous allez pouvoir vous marier, les deux jeunes. Fait qu'ils y vont, les deux jeunes. C'est de la pure mythologie. Carrément. Et puis là, ils descendent, puis ils font ce rituel, puis la jeune femme va réveiller la dame de la pluie. OK. Et ça, c'est un conte musical. Bon, c'est un conte musical, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui raconte l'histoire sur une ligne mélodique, comme ce qui a été présenté en début d'émission. Oui, le conte est parlé, OK? Mais ce qui est chanté, c'est les chœurs qui chantent. Et il y a là aussi des chœurs d'enfants, parce que c'est transgénérationnel. Il y a un chœur d'enfant, un chœur d'adulte, et il y a, dans la version originale, une vingtaine d'instruments, 23. Mais là, les Français qui vont le monter là au mois de mai, si tout va bien. Parce qu'évidemment, ça va être monté en France? Il y a une version concentrée à une heure. Là, je viens de la finir. Là, je suis parti d'une heure 40. Je travaillais là-dessus depuis 2003. OK? Pas à temps plein depuis 2003. J'ai composé plein d'autres œuvres depuis. Mais à l'origine, c'était un opéra de marionnettes, puis ils n'ont pas eu leur subvention à Paris. Fait que bon, j'ai laissé tomber, j'ai gardé ça dans mes cartons, puis je m'y suis remis il y a 2 ans. Fait que j'ai fait 1h40, 23 musiciens, puis là, je l'ai rapetissé à 1h, ce qui m'a demandé d'enlever des mots. OK, puis c'est ça qui va être monté à Paris? Ça va être monté en France, à Saint-Étienne. Okay. Et j'ai diminué de 23 à 8 instruments. Fait qu'ils sont occupés, les 8 qui restent, moi, vous dire. Oui, j'imagine. Alors là, c'est cette version-là qui devrait être donnée au mois de mai. OK, ça, c'est ton gros projet. Oui, puis on devrait le faire. J'espère que tu vas pouvoir t'y rendre. Malheureusement, non, ce ne sera pas possible avec les règles sanitaires. Je vais peut-être observer tout ça sur Zoom. Okay. Mais notre but, c'est de le monter à l'UdeM en avril 22. On devait le faire en avril 21. Évidemment, on l'a reporté. On est déjà au bout. On présente une de tes pièces. Ah, ben, c'est celle-là? Ce que vous allez entendre là en terminant, c'est « Que mes pas me portent » sur un poème des Indiens Navajo que j'aime beaucoup. Ah oui, et dans lequel je connais le poème. Je chante. Oui. Et Tiffen dirige l'ensemble co qu'on avait fondé ensemble, et c'est sur disque, ça se trouve sur YouTube, sur Spotify, « Que mes pas me portent » avec l'ensemble Ko. OK. K-O, accent circonflexe. OK. Qui veut dire éternité en japonais. OK. Ben alors, mesdames et messieurs, je vous invite à écouter ce qui s'en vient, puis à revenir avec nous la semaine prochaine, parce qu'on va rencontrer Tiffen Legrand, qui est la compagne de François Hugues. Puis qui va nous parler de toute une autre dimension. Alors, on continue comme dans la même aventure créatrice, je devrais dire plutôt. Ouais. Puis, alors, bienvenue, revenez-nous. C'est comme à l'habitude, c'est emballant, c'est super intéressant. Puis, merci beaucoup. Merci à toi, François-Hugues, d'avoir été là. Ça fait vraiment plaisir. Au plaisir. Au plaisir, Stéphane. OK.